précédemment. Nous avions joué notre premier match amical pour se préparer pour la saison qui arrive. Nous avions été à Dublin avec Willamax pour réaliser un tournoi de poker avec Raïm. On vous a présenté les dernières recrues, Camille, Vince et Dylan. Et on vous avait montré rapidement que j'avais joué face à l'équipe de France 98. C'est parti pour ce 4ème épisode du Vince KFC. Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode 4 du Vince KFC. J'espère que vous allez tous bien derrière votre écran. Je suis avec Julien, le coach de l'équipe. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous raconter ce qui s'est passé les deux dernières semaines qui se sont écoulées. Vous savez, c'est toutes les deux semaines, donc là, on est à l'épisode 4 déjà. Hein. Ça commence un petit peu à filer, déjà un petit peu. On est déjà un peu nostalgique, c'est déjà le début de saison, un peu nostalgique. Du coup, Julien, après la prépa physique, un petit peu en course comme ça dans les bois et tout, t'as un petit peu pu faire des entraînements posés, on va dire. C'est ça, on a fait du placement, du coup, placement offensif, placement défensif. On a fait des spécifiques aussi. Voilà, après, on a eu très peu de temps pour se préparer, ouais, on a que ce soit physiquement ou tactiquement. Ouais. Mais bon, on va faire avec, on va se donner. Et voilà, pour l'instant, là, physiquement, l'équipe, je la sens prêt. Bah, d'ailleurs, checkez ça, vous allez voir tout ce qu'on a pu faire. Yes. You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Du moins, je suis pas là parce que j'ai été suspendu parce que l'année dernière, avec mon ancien club, j'ai pris 3 cartons jaunes en 3 matchs, je crois. Du coup, il avait un match de suspension. Je ne l'ai pas purgé en fin de l'année dernière. Du coup, maintenant, j'en paye les frais au début d'année. Du coup, Julien, premier match. Alors, déjà, je tiens à m'excuser auprès des abonnés parce qu'il n'y a aucun rush du match, mais même pas des vestiaires et tout. En fait, il y a eu un problème de rush. Il y a un problème de. On va dire qu'on a effacé sans faire exprès les fichiers. Et franchement, c'est pas parce qu'on a perdu, Julien. Je connais le coup. Non, non, franchement. Le coupable est derrière la caméra. Je balance. Non, mais voilà, ça arrive des fois, mais c'est vrai qu'on avait filmé l'échauffement, les vestiaires et tout à la mi-temps et à la fin du match. En tout cas, Julien, score final 4-2 pour l'équipe adverse. Ouais. Mantes Olympique FC. C'est ça, gros big up eux. Gros big up. Ils ont été super, ils nous ont super bien accueillis. Super. L'arbitre a été vraiment réglo. Ouais, ils ont c'était leur arbitre, c'était à l'extérieur. C'était à l'extérieur, c'était leur arbitre. Après, si je dois faire un bilan de notre match, du match, du premier match, néant. Ouais, c'était zéro, franchement zéro. Surtout la première mi-temps, on a fait une première mi-temps, on était complètement absent. Ouais. Personne n'était là dans le positionnement. Et du coup, on a été un peu nul devant les buts, la même chose. On a mis 2 buts, mais c'était vraiment 2 buts C'était pas vrai. Enfin, leur gardien, je sais pas si c'était vraiment un gardien. En tout cas, il avait pas un niveau. Ouais, il avait pas un niveau. Sans manquer de respect, mais c'était. Il a sorti quand même 2-3 ballons. Après, ouais. Nous, on leur a donné trop de buts. Hein. Franchement, on leur a donné. Les erreurs qu'on a fait, c'était défensivement. Ouais, déjà, il y a un penalty. Après, un moment sur une contre-attaque, on se lance pas. Des balles au-dessus quasiment. C'est ça, ouais. On s'est fait d'ailleurs, je voulais dire un truc aussi. Dans cet épisode, il n'y a pas d'image de match. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'en fait, pour mettre en place tout ça, il y a plein de choses à régler, notamment les droits d'image, oui, etc. Faire attention à tout ça. On est en train de se rapprocher de la Fédé pour pouvoir mettre ça en place. Donc, je sais que vous voulez voir les matchs, vous voulez voir un petit peu ce qui se passe. Ça va venir avec le temps. Soyez patient, s'il vous plaît, parce que là, pour l'instant, ça n'a pas été possible dans les premiers matchs parce qu'on avait plein de choses à régler et autre que mettre les vidéos en place. Et les gars, vous inquiétez pas, vous avez rien loupé. Ouais, on a rien loupé. En fait, je sais pas, vous voyez des mecs qui se connaissent pas bien sur un terrain qui font n'importe quoi. C'est vraiment n'importe exactement quoi. Ça. Pour le premier match, on a eu un problème de rush et le deuxième match, c'était autre chose. C'est vraiment la concurrence des trucs qui fait qu'il n'y a pas d'image. J'étais à Barcelone pour la Dead Nations Cup. Thank you.
Et avec une grande fierté, c'est l'équipe de France U13 qui remporte le titre mondial. C'était l'équipe de l'Olympique Lyonnais des filles, parce que oui, la France était représentée par plusieurs clubs, les meilleurs de France. Bravo à elle, c'est mérité. Frustré parce que le premier match j'en avais perdu, je me suis dit merde, bon je sais pas que je vais changer le truc bien sûr, mais c'est le fait d'être ici, je me dis au moins je peux faire quelque chose, je peux l'influer sur le match, mais en fait là j'étais loin à Barcelone donc c'était chaud. Bon les gars, deuxième match de SKFC aujourd'hui, match contre Porcheville, on joue à l'extérieur du coup, que la victoire aujourd'hui, que la victoire, on est obligé d'aller décrocher cette victoire. Premier match on a perdu 4-2, c'était compliqué, mais là aujourd'hui on est obligé d'aller chercher la victoire pour l'équipe et pour le maillot surtout. Donc là je vais vous montrer rapidement les vestiaires, les hommes sont prêts, les hommes commencent à se préparer petit à petit. Et puis voilà, on... Allez dans ton match Nathan. On est concentré. Allez, au revoir Nathan, merci, au revoir. Et là Julien, ça a été un match très compliqué, défaite 1-0 pour nous. 1-0, on a super bien joué, franchement j'ai rien à dire par rapport à l'équipe, mis à part qu'on a trop pigeonné devant. On a été trop facile dans le dernier geste et on s'est fait avoir sur un coup de pied arrêté un peu anodin, un corner. Et voilà, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Après, on ne peut pas non plus occulter ce qui s'est passé dans ce match. On n'a pas envie de rentrer dans les détails et être super précis là-dessus, mais l'équipe adverse, il y a eu une bagarre, en fait, était hostile par rapport à nous. Pendant le match, vers la 80e minute, il y en a un qui a été frappé, il a eu un traumatisme crânien, donc c'est quand même assez grave, c'est pas juste un truc comme ça. On rentrera pas dans les détails, mais on espère juste que ça ne recommencera pas. C'était un match compliqué, c'était un match très compliqué physiquement, c'était un match compliqué aussi mentalement. Pas mal de joueurs, pas mal de personnes pensaient que ça allait être très facile, ouais. Qu'on allait rouler sur tout le monde. On montre que ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Alors je le rappelle, le deuxième match c'est quand même particulier. Oui, le deuxième match, je raconterai pas, mais juste pour dire, les gens qui étaient là-bas savent ce qui s'est passé, donc voilà, ça c'est important. Les choses font que on est à deux défaites en deux matchs, qui est vraiment catastrophique, parce qu'on ne peut pas faire pire que ça. Mais on a vu du mieux par rapport au deuxième match et c'est à nous de rebondir sur le troisième match qui arrive ce dimanche. J'en profite qu'il y a la caméra, tu comptes pas me virer maintenant? Non, bien sûr. Bon. T'as encore 2-3 mois. Mais... Fin de vidéo du coup pour cet épisode 4 du Vinsky FC. J'espère que ça vous a plu. Comme j'ai dit, il y aura d'autres images. Il y aura plus d'images de matchs, c'est ce que vous voulez, mais ça arrivera. Merci Julien d'avoir été avec moi pour un petit peu parler de ce qui s'est passé. Abonnez-vous en masse parce que c'est que le début, hein, c'est que le début d'une très longue histoire. J'espère que vous allez kiffer. Dimanche, on joue contre Limay ALJ3 à domicile. Ok, c'était Vinsky FC, Julien et toute l'équipe du coup, vous avez vu durant cet épisode. Come on Vinsky FC les gars. Come on. Allez. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.